Sur la deuxième mi-temps, on s'est créé 6 à 7 occasions nettes en deuxième mi-temps. الشوط الاولاني كان فيه حاله ارهاق كبيره للاعبين، كنا فقدنا الايقاع ومش عارفين، كنا بنزق نفسنا، اللعيبه بتزق نفسها في الملعب عشان تلعب. الشوط الثاني رجعنا للمباراه ثاني ودخلنا في جو الماتش وضيعنا اربع خمس فرص سهلين، كان ممكن النتيجه تبقى مختلفه خالص. سي لا ديفيكولتي بور نو اجوردي سيتادير كون دوا On doit être compétitif sur la scène africaine, ce qu'on a fait de manière brillante. Par contre, on laisse énormément de force et on sait très bien que le match qui suit est le match le plus difficile, à la fois en termes au niveau psychologique, au niveau physique. C'est très difficile de se remettre dans le rythme. Et compte tenu du niveau très élevé du championnat égyptien, il n'y a jamais de match facile. Ça a été encore la preuve aujourd'hui. طبعا احنا عارفين بطولات افريقيا، بعد الماتشات الكبيره في بطولات افريقيا احنا كنا عايزين نكون فرقه منافسه في البطوله ونجح نعمل ده، وعملنا ماتش كبير قدام الترجي. طبعا عارفين دايما بعد الماتشات الكبيره دي بيكون في ماتش بيكون صعب علينا، لان في ارهاق مش يعني نفسيا وبدنيا كنا مرهقين، بس عرفنا ده، كنا عارفين ده من قبل ما نلعب، وقدرنا نقدر يعني نرجع في الماتش ونكسبه، والحمد لله ما وقعناش في الخيال دي. اتفضل. Je vous félicite tout d'abord. Je veux savoir l'absence d'Ahmed Soulaye au départ, au point de vue technique, même parce qu'il était fatigué, parce qu'il a fait la différence à deuxième mi-temps. Il a pris une minute 30. J'ai pris cette décision et je vais vous l'expliquer de manière très, très concrète, à savoir que. Il y a quelques jours en arrière, Solaya a repris, après une blessure, a repris l'entraînement 2 jours avant un match fondamental. Le docteur a fait un travail formidable. On a pris le risque de le faire jouer en Champions League en un temps record. On a pris beaucoup de risques parce qu'il aurait pu rechuter. C'est par rapport à ça qu'aujourd'hui, je ne pouvais pas me permettre, quelques jours plus tard, de prendre le risque de le faire démarrer à nouveau, en sachant qu'on a encore un match vendredi et un match de Champions League, que c'est un joueur fondamental. Donc c'était vraiment pour préserver sa santé et être certain que sa blessure était soignée à 100% que j'ai préféré ne prendre aucun risque. وطبعا احنا كنا عارفين ان هو كان في عنده اصابه في الماتشات اللي فات وما لعبش عشان كان عنده اصابه، خدنا المخاطره مع الدكتور ناقشنا حالته، طبعا الدكتور عمل مجهود كبير دكتور خالد، وعشان نرجعه ونقدر نلعب بيه في ماتش الترجي، لان كان ماتش اساسي بالنسبه لنا، كان لازم ناخد 3 نقاط. خاطرت بيه في ماتش الترجي، بس انا عايز احافظ عليه بدنيا عشان ما يتعبش مني، ده لاعب اساسي عندي في الفريق وعايزه في بطوله افريقيا في الماتش الجاي قدام كامبالا سيتي، ففضلت ما ابداش بيه وانزله الشوط الثاني، اديله شويه في الماتش مش الماتش كله. اتفضل. Il vous félicite tout d'abord pour la victoire. C'est une victoire méritée pour le club. Il y a 2 points. 3 matchs en 8 jours, vous avez joué. Et la fatigue claire. Vous étiez même la consultation n'était pas à 100% la vie de l'espace. Il n'y avait pas de basque coupé à cause de ne sont pas bien concentré, à cause de fatigue. Le club Aïn, c'est l'équipe, c'est le plus de championnat égyptien qui joue en Chipou et qui soit fatigué plusieurs fois avant de rentrer. Comment vous allez, quelle est votre solution pour ça? Deuxième question, deuxième mi-temps, Walid Assaf a fait une bonne pression, mais derrière lui, numéro 10, il n'y avait pas quelqu'un qui est derrière lui pour le supporter. Alors, la première, la fatigue. Premièrement, par rapport à la fatigue, comme je l'ai dit, petit à petit, c'est pour ça que j'effectue parfois une rotation en fonction de ce que je ressens. J'ai préféré aujourd'hui, par exemple, laisser Saad Samir au repos. J'ai préféré ne pas démarrer avec Solaya parce qu'en jouant tous les 3 jours, on puise énormément dans les organismes. Donc j'essaie à chaque fois de trouver le bon équilibre entre le fait de faire tourner certains joueurs et de garder malgré tout une équipe très compétitive. C'est pour ça qu'on travaille dur avec tous les joueurs. Je sais, bien sûr, c'est pour ça que je dis toujours, dans tous les mouvements, je dis que j'aime faire la sieste, le tour, chaque joueur joue, fait une rotation, on change, on donne des chances à tous les joueurs qui jouent. Je vois Saad Samir, je l'ai relâché, et Soulaye aussi, j'ai relâché une partie de la match, pour savoir le volume de l'effort qu'ils peuvent être contrariés, et je ne veux pas perdre quelqu'un des joueurs importants avant le match de Coupe d'Afrique. Et après, je pense que ce qui a été le plus difficile, en dehors du fait que bon, Nasser est en train de, match après match, de s'affirmer, il a besoin de jouer pour monter en puissance. Il a baissé de pied en deuxième mi-temps au niveau physique, mais c'est assez légitime. Mais c'est surtout le fait que, pour l'instant, on n'arrive pas à tuer les matchs. On s'est présenté, je crois, 6 fois devant le gardien, seul devant le gardien ce soir. Il faut qu'on arrive à concrétiser nos occasions pour se rendre les matchs plus faciles.
بالنسبة للسؤال التاني حضرتك قلت مركز نمرة 10 تحت المهاجم ما كانش في حد موجود، كان في ناصر ماهر. ناصر ماهر يعني بدأ يلعب ياخد ماتشات ومستواه بيزيد من مباراة للتانية. اللعيبة دي كلها تعبانة مرهقة، ما اقدرش اقتله، ما اقدرش احمله اكتر من طاقته بدنيا عشان هو خارجين من ماتشات صعبة، بس هو عمل ضروري واحنا كسبنا المباراة. Last question. يلا. طب آخر سؤال. تفضل. Après trois journées du championnat égyptien, comment voyez-vous la compétition? Comment elle est pour le championnat? Ouais, c'est cette année, on sait que le niveau et les matchs sont d'une grande intensité. Il y a une concurrence comme jamais dans le championnat. Ça veut dire que il faut vraiment faire une saison exceptionnelle. On a dû tout de suite être opérationnel en Champions League pour revenir au vrai niveau d'Al-Ahly, c'est-à-dire se qualifier pour les quarts de finale. Et en championnat, encore une fois, j'ai beaucoup travaillé en Afrique. Il n'y a pas un championnat en Afrique aussi fort que le championnat égyptien. Il y a vraiment des équipes très très fortes. Donc chaque match est difficile, c'est un vrai combat. Cette année, comme je l'ai dit, il y a en plus la concurrence d'autres clubs qui ont élevé leur niveau. Donc ça va être un championnat absolument passionnant. Maintenant, encore une fois, je suis très heureux qu'on ait des matchs tous les trois jours et que ce soit difficile, qu'il faut trouver les solutions. Mais encore une fois, on fait ce métier-là parce qu'on est passionné et on va beaucoup travailler pour gagner des titres et rapporter beaucoup de victoires à nos supporters. طبعا بيقول بالنسبه للموسم ده، انا عارف الموسم ده استثنائي، ان الدوري السعودي غير اي موسم قبل كده، موسم قوي جدا، في فرق جديده، في فرق تانية يعني جابت لعيبه جديده وبقت قويه ومنافسه، واعتقد ده اقوى موسم دوري في مصر من سنين طويله. حاجه تانية، انا اشتغلت في افريقيا وعارف ان الدوري المصري من اقوى الدوريات في افريقيا، لم يكن اقوى على الاطلاق. احنا قدرنا نفرض ايقاعنا في بطوله افريقيا ودلوقتي وصلنا راس المجموعه بعد ما كان فرصنا ضعيفه. احنا برضو هنحاول قدر الامكان نفرض نفسنا في الدوري العام. طبعا انا عارف ماتش كل 3 ايام، بس دي حاجه ممتعه، وانا جزء من متعه مهنتي ان يبقى اقبل التحدي ده، وانا احاول اكون على قدر التحدي واوصل فرقتي لاحسن نهايه. ايه ولا ايه؟ اخر سؤال ولا نعم؟ هل ياخد سؤال كمان؟ اذا كسبتي المركز ما فيش مشكله. بسال بس عن حاله محمد الشناوي، سبب عدم تغييره رغم الدور ده طلب تغييره. وبرضه تسابق عن ميل بيل. اللي بيسال بعض بليسيون دو شناوي ميدو جابر شناوي اون موسوني كوفا سوا اون بلاسي بوي vous avez dit le médecin a dit qu'il doit être mais vous avez changé d'avis. Je pense que c'est le tournant du match, parce que je pense pas qu'on aurait eu les ressources d'aller chercher la victoire si on avait dû changer de gardien à ce moment-là. Je pense que pour les deux, Chenaoui, je suis pas très inquiet parce qu'il a pu finir le match. Et puis pour Mido, je pense aussi que c'est plus des crampes. Il a vraiment beaucoup couru ce soir et il est en train de jouer également. C'est pas quelqu'un qui avait un temps de jeu régulier, donc il est en train d'enchaîner les matchs et c'est quelque chose auquel il faut qu'il s'habitue. Mais j'ai trouvé que nos adversaires ont fini beaucoup plus fatigués que nous. Donc encore une fois, après quelques jours, après un match si difficile à l'extérieur en Champions League, c'est une très bonne chose de gagner. Je suis très fier des joueurs. بالنسبه للشناوي، انا كنت عايز احافظ على التغيير عشان اكسب الماتش، واعتقد لو كنت غيرت حارس المرمى ما كنتش هحقق الثلاث نقاط، هحصل على الثلاث نقاط. التغيير بالنسبه لي كان مهم، محوري في الماتش في الوقت ده. بس اعتقد اصابه الشناوي ما هيش خطيره بدرجه كبيره، واصابه ميدو جابر اعتقد انها شد عضلي اكتر ما هيكون في حاجه ثانيه، لانه مش من اللعيبه اللي كان بياخد ماتشات كتير، دلوقتي بقى له فتره بيلعب بشكل في كثافه، فممكن يكون في يعني ممكن يكون يعني في اجهاد. بس اعتقد النهارده بدنيا احنا كنا فايقين، بالنسبه للفرقه لعبت ماتشات كتيره ورا بعضها، واعتقد ان احنا في اخر ماتش نهيناه كويس وكسبنا ماتش وخدنا الثلاث نقاط بتاعت المباراه. بعد ما شفنا